Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Berger Raphaël le Benoît. Comment vous devez prier? Comment on doit prier pour être exaucé? La prière a plusieurs sens. Lorsque vous voulez prier, par exemple, vous utilisez quelque chose de chance, ou bien vous voulez que Dieu vous bénisse la journée. On dit, Seigneur, en cette journée, je te bénis. Fais que ceux que je connais et ceux que je ne connaisse pas viennent m'apporter de la nourriture et de la grâce. Seigneur, peu importe la personne par qui mon bonheur doit venir, que ces personnes se rappellent de moi. Tous ceux qui m'ont promis, tous ceux qui me font si Dieu, que ces personnes se rappellent de moi. Je te confie cette journée, Seigneur. Amen. Mais au moment où vous voulez prier, puis vous avez attiré votre objectif sur un frère, sur une soeur, cela ne marchera pas. On ne prie pas pour visualiser quelqu'un. Si c'est dans les invocations maintenant, c'est différent. Dans les invocations, on vise un but. Mais la prière, c'est universel. Et la prière universelle n'est pas la prière privée. Et dans l'universel, nous sommes exaucés que si on dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui peut. Seigneur, en ce jour, que quelqu'un se rappelle de moi. Que les gens que je ne connais pas, à l'endroit même, je ne pensais même pas que le bonheur va sortir par là, que le bonheur sort de là. Tu vois un peu? Donc, quand toi, tu as lancé les mots comme ça, les anges, eux, ils prennent ces paroles pour dire n'importe quel endroit. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si ça vient de Burkina, mais ça vient de la Côte d'Ivoire, toi, tu ne sais pas. Tu as dit n'importe quelle voie sur laquelle mon bonheur peut venir. Les anges vont regarder les planètes et maintenant, ils vont dire que ce n'est pas Burkina. Il faut qu'on lui donne Burkina. Dans la journée, le Burkina même t'appellera pour dire ce que tu veux, prends. Mais prier et viser un but, ça ne marchera pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Quand vous voulez prier, dites toujours à Dieu, Seigneur, que ceux que je ne connaisse pas, toutes ces personnes m'aident et qui m'apportent des moyens financiers. Mais il ne faut pas viser un but. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans la cœur de Jéga Frère Shalom.